Après deux saisons passées en deuxième division, la Saint-Étienne va retrouver l'élite de notre football. À ce titre, 1986 sera une année importante pour les Verts. Mais 1986, c'est aussi, rappelez-vous, une date anniversaire. En effet, il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour, les Verts disputaient une finale de Coupe d'Europe des clubs champions à Glasgow. Entre cette finale et ce retour en première division, bien des événements, heureux ou malheureux, ont marqué la vie des Verts. Et si, depuis quelques années, aucun titre, aucun trophée ne sont venus enrichir le palmarès de l'AS Saint-Étienne, le prestige acquis au cours des années 74-76, lors de la fameuse épopée européenne, ce prestige, lui, est resté intact. Ce sont ces grandes soirées, celles qui ont engendré un engouement populaire sans précédent, celles qui ont réveillé un football français quelque peu moribond à l'époque. Ce sont ces folles soirées que je vous propose de vivre ou de revivre grâce aux documents qu'a retrouvé pour nous François Bidot, l'assistant du service des sports de TF1. Quant à ce reportage, je voudrais le dédier d'abord au public de Saint-Étienne qui, malgré les difficultés, a su rester fidèle à son club, à son équipe, à ses couleurs. Le dédier aussi à ces millions de téléspectateurs qui sont aujourd'hui supporters de Nice, de Nantes, de Bordeaux, de Paris ou d'ailleurs, mais qui, à un moment ou à un autre, ont soutenu la Saint-Étienne et qui, lorsque l'on évoque la Coupe d'Europe, gardent un coin de leur cœur un petit peu vert. Le 12 mai 1976, Glasgow l'Écossaise est devenue Glasgow la Verte. 80 000 Français sont venus soutenir les joueurs de l'AS Saint-Étienne pour cette finale de la Coupe d'Europe des clubs champions qui doit nous opposer aux Allemands du Bayern de Munich, détenteurs du trophée. Cet événement sportif d'une portée sans précédent sera, mais on ne le saura que quelques années plus tard, le fait d'armes majeur d'une équipe qui va relancer en partie le football français. En effet, l'année suivante, en juin 77, si les Verts remportent une nouvelle finale de Coupe de France, ils perdent un titre de champion détenu depuis 3 années. Même cette finale va être plus arrachée que gagnée. Les Rémois, qui partent nettement battus, vont être à 2 doigts de réaliser l'exploit. Après un but de Santa Maria, M. Conrat refuse à Hervé Revelli un but pour une position de hors-jeu de Dominique Rocheteau. Quelques minutes plus tard, Farizon tombe dans la surface de réparation. Monsieur Conrat estime que c'est Masclot, le Rémois, qui est fautif. Pénalty que transforme en force Battenet, au grand dam de Pierre Flamion, l'entraîneur de Reims. À quelques minutes du coup de sifflet final, sur ce corner, Merchadier smatche sa tête dans le but de Lodou. Avec le titre remporté en 81, ce sera le dernier grand trophée d'Herbin et des Verts. L'un des derniers aussi du capitaine de ce soir-là, Ivan Kurkovic. Mais personne, par contre, n'aurait pu imaginer la suite. Pendant le Mondial 82, on apprend qu'un scandale couve aux alentours de Geoffroy Guichard. Lors de l'Assemblée Générale, des mots très durs et des menaces sont échangés. La fameuse caisse noire va tout emporter sur son passage. Président et vice-président en prison, entraîneur relevé de ses fonctions, finances catastrophiques. La première erreur que j'ai commise dans le club a été de renouveler le contrat de Robert Herbin en octobre 1982. Tout va crouler, et surtout le club et l'équipe en déroute qui ne vont pas pouvoir éviter le pire. En mai 1984, alors que l'on parle surtout du championnat d'Europe des Nations
Et dans un stade de Geoffroy Guichard fabuleusement remis à neuf, les Verts luttent contre le Racing pour ne pas tomber en deuxième division. Mais la spirale de la défaite est irréversible. Les deux buteurs du Racing Club de Paris, Auckland et Keke, vont crucifier les Verts. Ceux-ci auront beau tout faire, ils ne pourront éviter le pire, c'est-à-dire la descente au purgatoire. Et Castaneda, qui a connu des moments d'exaltation, ne sait même plus si c'est un cauchemar ou la réalité. La raison, c'est parce qu'on est moins bon que les autres. Je pense que c'est tout. Hein. C'est... Faut pas chercher midi à 14h. Si on avait été aussi bon que le Racing ce soir, on aurait pu se qualifier. Si on avait su saisir nos chances au moment opportun, si on avait la chance, la possibilité de respirer un peu plus, on s'en serait peut-être sorti. Mais là, à chaque fois, on était à la tête dans le seau. Et quand on boit toujours la tasse à chaque rencontre, on prend plus le souffle et on coule. Hein. Mais malgré ce coup du sort, le public garde une tendresse pour les Verts. Une tendresse qui date du début de la saison 74-75. Saint-Étienne, champion l'année précédente, dispute la Coupe d'Europe des champions. Premier adversaire, le Sporting Club du Portugal. Une rude épreuve quand on sait qu'à cette époque, le football portugais est largement supérieur au nôtre. Mais ce soir-là, notre équipe est emmenée par un super Georges Beretta. En première mi-temps, c'est Hervé Revelli qui va ouvrir la marque d'une superbe tête. Damas, le gardien du Sporting, est très souvent sollicité. Mais il ne va s'incliner qu'une nouvelle fois sur un pénalty dû à un fauchage de Sinagel qui va vite devenir un spécialiste dans ce genre d'exercice. Malgré tous nos efforts, le score en restera là. 2-0, un bon score, d'autant que 15 jours plus tard, à Lisbonne, nous allons réussir un bon résultat nul, 1-1. Le voyage du tour suivant contre Split s'est par contre très mal passé. Nous avons 3 buts de retard quand débute le match retour. On ne marque qu'une fois en première mi-temps. C'est largement insuffisant. Pire, en début de seconde période, Souriac égalise. Il reste 30 minutes à jouer. C'est alors que se réalise le miracle. Sur l'engagement, tête de Battenay, qui tout doucement passe entre le crâne d'un défenseur yougoslave et la transversale. Ivan Kurkovic, devant ses compatriotes, réalise une grande performance. Quelques minutes plus tard, nouvelle faute sur Christian Sinagel. À l'entrée de la surface de réparation, nouveau pénalty et nouveau but de Beretta. Plus qu'un but de retard. Triantafilos entre et marque pour remettre les deux équipes à égalité parfaite.
Il faut jouer la prolongation. Sur un coup franc, à 20 mètres dans l'axe, Triantafylos, plus frais que tous, est le seul à pouvoir frapper. Il transperce le mur, 5 à 1, la première page de la légende des Verts est écrite. Pour la première fois, l'AS Saint-Étienne dispute un quart de finale de Coupe d'Europe. On commence à connaître ses visages. Piazza, Patrick Revelli, Lopez, Jean Vion, Christian Saramagna, Dominique Battenet, Patrick et Christian Sinagel. Ce sont les Polonais de Chorzów qu'il faut affronter. La Pologne possède à cette époque un football de qualité avec les Deina, Lato et Gorgon. En terre polonaise, nous frôlons la catastrophe. Après 46 minutes, le score est de 3-0 pour les Polonais. Avec beaucoup de courage et un peu de chance, on va revenir à 3-2. Au retour, les Polonais, emmenés par un certain Joachim Marx, ne sont pas dépaysés sur la pelouse enneigée de Geoffroy Guichard. À peine 3 minutes et Jean Vion ouvre le score. La route des demi-finales est ouverte, mais les Polonais restent très dangereux. Et plusieurs de leurs actions nous font frissonner. Il faut attendre la dernière minute pour voir Hervé Revelli assurer la qualification grâce à un pénalty sifflé sur Yves Triantafylos. Demi-finale aller, encore et toujours contre le Bayern de Munich. Beckenbauer et Sepp Maier ont verrouillé la défense bavaroise. Mais c'est vrai aussi que nous sommes impressionnés par cette équipe qui, avec Müller, Hoeneß, Schwarzenbeck, compte 5 champions du monde. Pour la première fois de la saison, nous ne marquons pas de but dans un match de Coupe d'Europe. Le retour s'annonce très délicat. Dans le stade olympique de Munich, dès la 4e minute, Beckenbauer, dans un angle totalement fermé, et après avoir passé toute la défense en revue, trompe Ivan Kurkovic. Le problème est inchangé, puisque de toute façon, il nous fallait marquer, nous aussi, pour espérer la qualification. Mais ce soir-là, les Allemands nous sont supérieurs. Gerd Müller, que l'on a peu vu à Saint-Étienne, démontre à plusieurs reprises qu'il est l'un des meilleurs buteurs au monde. En deuxième période, l'arrière droit Dönberger part du milieu de terrain. Dribble tout le monde, entre dans la surface et pique le ballon au-dessus de Kurkovic.
Les Verts échouent en demi-finale. Et sur la touche, un jeune homme blond du nom de Karl-Heinz Rummenigge attend qu'on le fasse entrer. En fin de match pourtant, Triantafylos a une balle de but. Il la mettra au-dessus. L'Europe, c'est fini. Vive la France. En effet, les Verts terminent cette saison 74-75 en remportant le doublé Coupe et Championnat. La finale de la Coupe de France nous oppose à Lens. Ce match, comme l'ont souligné nos confrères de l'équipe magazine, est l'un des 10 meilleurs jamais disputés sur la pelouse du Parc des Princes. Lens va s'avérer un adversaire valeureux. Par Jurasek, les nordistes manquent une incroyable balle de but. Lopez la lui souffle au dernier moment. C'est Piazza qui, en deuxième période, emporte tout dans sa montée et trompe Lannois. Le score final sera de 2-0, victoire qui permet aux Verts de finir la saison en apothéose. Après ce parcours, nous sommes en cette saison 75-76 tête de série. C'est sans trop de mal que l'on élimine les Norvégiens du KB Copenhague. 2-0 à l'aller, 3-1 au retour. Mais en ce début d'année, on parle beaucoup à Saint-Étienne d'un jeune garçon inconnu jusqu'alors, Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau, qui au tour suivant contre les Glasgow Rangers est à la base du succès des Verts. Dribble, crochet, tir et but sur le terrain même des Écossais. Puis contre-attaque de 70 mètres, Rocheteau file, se présente seul devant le gardien, glisse à Hervé Revelli, 2-0. Et le but que l'on concède en fin de match ne change rien. Une nouvelle fois, les Verts vont passer l'hiver au chaud. Pour ce quart de finale, le tirage au sort a désigné le Dynamo de Kiev, avec un certain Oleg Blokhin qui se heurte au retour de Lopez. Sur le contre, la balle est récupérée par Piazza. 1-2, Piazza Revelli, et le ballon meurt dans les buts de Rudakov. Battu 2-0 à l'aller, on revient à égalité parfaite sur ce coup franc en force. Plus rien ne sera marqué jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il nous faut disputer la prolongation. Un débordement à l'arraché de Patrick Revelli, un but de Rocheteau, le football français est fier de ses petits verts. Demi-finale aller contre les Hollandais du PSV Eindhoven. Un seul but, toujours sur coup franc. Sera-ce suffisant pour passer indemne le match retour? D'autant que dans les buts hollandais, veille Van Beveren, un super, super gardien. Un match retour où Kurkovic, le gardien, et toute la défense vont jouer un rôle primordial. Avec les frères Van de Kerkhoff, Edström, Van der Kuylen, Van Beveren, cette équipe du PSV est vraiment très très bonne. Mais ce jour-là, nous allons réussir le match parfait. Sans se contenter de défendre, on va aussi être très dangereux. D'abord par Dominique Rocheteau, puis par Patrick Revelli, qui est tout prêt de battre Van Beveren. À la dernière minute, Kurkovic réussit une intervention décisive. Ce n'est pas un rêve, les Verts sont en finale de Coupe d'Europe.
Une finale marquée, hélas, du saut de la malchance. C'est d'abord Battenet qui frappe sur la transversale. Une belle occasion qui disparaît, car Maier était archi-battu. Bis repetita sur ce centre de Christian Saramagna et cette tête de Jacques Santini à nouveau sur la transversale. Et c'est dans cette cage maudite des Verts que le Bayern va marquer le seul but du match sur un coup franc de Roth à la suite d'une faute de Piazza sur Gerd Müller. L'aventure des Verts se termine ainsi, mais comme le disent nos amis du rugby, les grandes équipes ne meurent jamais. Dix ans plus tard, après avoir été à l'agonie, les Verts vont obtenir ici contre Cannes les deux points indispensables pour le retour en Division 1. Le public va pouvoir retrouver la chaude ambiance du stade de Geoffroy Guichard. Ah, de beaux souvenirs que nous allons remémorer là. Merci Jean-Michel, Jean-Michel Larquet, parce que c'est vrai que cette époque, c'était tout de même quelque chose. Et certains matchs étaient peut-être passés un petit peu dans l'oubli. C'était une bonne chose de revoir un petit peu ces filets de Geoffroy Guichard trembler.